Messieurs, chers participants, bienvenue à cette partie de basketball collégial masculin Division 1 qui opposera les filons du Cégep Thetford à nos lynx du Cégep Édouard-Montmorency. L'organisation des lynx est fière de vous accueillir pour ce match et remercie ses partenaires principaux, soit le Cégep et le Centre sportif Édouard-Montmorency, la ville de Longueuil et ainsi la fondation du Cégep Édouard-Montmorency. Voici maintenant l'alignement battant du côté des filles. Le numéro 9, Edwin Lamanche. Le numéro 11, Prosper Sanouk. Numéro 14, Insa Sani. Le numéro 22, Kevin Nicolas. Ainsi que le numéro 24, Jean-Cyril Diago. La formation des filons qui est dirigée par l'entraîneur-chef Alex Katawa. Et maintenant, voici l'alignement partant du côté de l'Ex. Le numéro 5, Angèle François. Le numéro 9, Joshua Lucas. Le numéro 12, Lionel Fotsowafo. Le numéro 40, Patrice Augustin. Ainsi que le numéro 41, Thomas Bouchard. La formation des Lynx est dirigée par l'entraîneur-chef Loïc Nguyen. Mesdames et messieurs, bon match. Thank you.
Offre de sur la séquence en faveur des Lynx. Thank you.
Faute personnelle à l'équipe de numéro 41 des Lynx, Thomas Bouchard, sa première faute personnelle. Troisième faute d'équipe à la ligne, en ce moment, du coup de l'équipe de numéro 24, Jean-Céline Diacre, le lanceur. Thank you.
colonel de fin des filons Nathan Sauzé, sa première fois personnelle. Thank you.
possession Lynx. Thank you.
Au personnel, la prime encore numéro 13 des Lynx, Xavier Bastien, sa première fois personnelle, deuxième fois des Lynx. Au lancer, du côté des filons, le numéro 11, Prosper Assad, le lancer. You let the best talk. If I kill it, it won't be the alcohol.
Dion avec la possession, retour du temps d'arrêt. Running around in a group. I take your people from you.
the football. Oh, wow. Hop in the fall. After the team, don't come for me, come for me. I'm fully loose, this is on it. The head and the devil keep jumping, jumping. That was all we keep me coming. Hey, we the most. Yeah, my diamonds are choke. Hurry, I'm out with the hoes. The box. We the pool of diamonds, too. This a rolling got a pool. Damn it, no, no, like it. Sur la séquence en faveur des Lynx.
le jeu de la marque 40-25 en faveur de nos Lynx. I'm not the guy to see my cat. I see every follow back. I wouldn't listen, no fool. I would ask because I know you would.
me watching, you ain't gonna make it. I start to put on me, and I love you. I can't even picture my head going where my cup is watching. I'll be rooting till I'm all up now. I'm at the top, start of all the bottom, and I'm all up. Thank you.
Avec la possession pour amorcer la deuxième étape.
Group one, ball in Elsin Lanes, Francois Girardot. Thank you.
possession là. Thank you.
Xavier Bastien, et du numéro 14, Alain Marchand. Avec ça, ce sera position mince. En faveur des Lynx.
ça, on va marcher le long de la ligne, ça sera possession live. C'est ce qui vient mettre fin au troisième temps à marque maintenant 62 à 30 en faveur de l'Inx. Thank you.
du côté de l'axe, la marque 67-32 en début de quatrième quart. Ça sera possession d'axe.
battu Gordon Deguillon avec 5 minutes et 2 secondes à faire au 4e quart, la marque de 67-32 en faveur de Rolex. François Gérald Lozard, première faute personnelle, première faute d'équipe. Pour lancer chez les filons, le numéro 24, Jean-Cyril Biagou.
La match finale, No Legs qui remporte la match de 74 à 46. Mesdames et messieurs, bonne fin de journée. I'm
Yeah.